Alors, les enceintes sont juste ici. Il y a eu la tentative d'installation d'une rave party il y a quelques minutes ici. Et ils sont en train d'utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les 300-400 jeunes qui étaient arrivés il y a quelques minutes ici. Une rave party, donc non autorisée pendant les périodes de couvre-feu, qui est en train de se dérouler à l'intérieur même du parc de Bercy. Il y a plusieurs centaines de personnes, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Et les policiers sont en sous-effectif ici, alors il y en a certains qui sont avec les chiens. Donc là, on est actuellement dans les jardins de Bercy, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est là qu'il y avait donc l'idée d'installer une rave party. Alors, on va essayer d'avancer parce qu'on voit qu'il cherche policier un peu plus loin. Il y a des tirs de LBD. Ouais, des gaz lacrymogènes utilisés. Là on est rue Joseph Excel, 13e arrondissement, 12e arrondissement de Paris maintenant. Voilà, la voiture de police a été prise à partie. Donc là, on est. Donc il y a beaucoup de gaz lacrymogène qui ont été utilisés il y a quelques minutes. Les policiers sont intervenus. Et là, vous avez plusieurs centaines de jeunes qui sont là, répartis tout autour de l'endroit où je me trouve. Il y a beaucoup de policiers qui sont présents, mais ils se sont retrouvés à un moment donné un peu en sous-effectif. Alors il y a les chiens qui ont été utilisés à l'encontre des gens qui se trouvent ici. J'ai lancé un live en urgence par rapport à Bercy. Je suis en live, désolé de ne pas avoir pu prévenir avant, mais j'ai été au feeling, je prends la responsabilité, mais c'était chaud là.
Donc là, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, plusieurs centaines. Il y a les policiers qui sont là-haut. Juste ici. Ah, il y a eu des tirs de LBD, il y a eu l'utilisation de gaz lacrymogène notamment. Et ça a été relativement tendu là, l'espace de quelques instants. Ils ont à peine eu le temps de s'installer et c'est tout de suite. Les policiers sont intervenus très très vite à l'aide des chiens et de plusieurs dizaines de policiers présents. C'était donc il y a quelques instants. Et donc là. Il y a des tirs de LBD, il y a des tirs de LBD là-haut. Suite à des jets de projectiles, il y a eu des jets de projectiles. Des bouteilles de verre. Et il y a eu des tirs de LBD en réponse. Donc là on est pas très loin de Bercy. Exactement, on est au jardin de Bercy. Et là, les gens sont en train de se disperser progressivement autour de l'endroit où on se trouve. Donc la fête a été interrompue très très rapidement. Ici dans les jardins de Bercy. Dans le 13e arrondissement, on est actuellement à Paris. En fait, les personnes qui se trouvent ici voulaient participer à une fête, donc pendant le couvre-feu et donc non autorisée. Et à l'intérieur même des jardins de Bercy, dans le 13e arrondissement, en fait, ils avaient installé des caissons de musique, de son, enfin pour diffuser du son tout simplement. Depuis une quinzaine de minutes, hein, ils étaient en place et les policiers sont intervenus très 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 rapidement. Et donc tous les jeunes que vous voyez ici sont désormais dispersés un petit peu partout de l'endroit où on se trouve. Il y a eu des tensions qui sont signalées donc il y a une quinzaine de minutes maintenant. À proximité de l'endroit où on se trouve, donc cette fête hein, qui a tourné extrêmement court, extrêmement rapidement, ils ont à peine eu le temps de s'installer que les policiers sont intervenus. Beaucoup de ces jeunes semblent être en train de se disperser dans le calme, en tout cas c'est ce qu'on est en train de voir au moment où on se parle. Et vous avez encore environ peut-être 100 à 150 personnes qui sont dispersées un petit peu partout de l'endroit où on se trouve actuellement. À proximité des quais de Seine exactement pour tout vous dire et c'est donc là que les tensions se sont produites il y a environ une quinzaine de minutes maintenant et là vous voyez l'ensemble des jeunes qui se trouvent présents ici sont dispersés hein. C'est-à-dire que la fête a vraiment 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 tourné court, ça a été très très rapide ici. Il y a une intervention des forces de l'ordre quasi immédiate hein, en l'espace de 15-20 minutes, ils sont arrivés sur place, ils sont intervenus et là ce que vous voyez c'est donc les jeunes qui sont dispersés un petit peu partout autour du parc, l'endroit où on se trouve actuellement. Voilà. Donc là vous allez voir il y a des policiers qui sont positionnés ici sur le haut du parc, c'est eux qui sont intervenus il y a quelques minutes maintenant. Et là, on a l'impression que les gens sont en train de se disperser progressivement.
tout autour de ce parc. Ici, on est donc vers Bercy. Et ouais, le groupe est en train de se disperser un petit peu partout. Alors je sais pas trop comment ça va évoluer dans les prochaines minutes. Mais on va voir ça ensemble. Voilà, alors, bon, à l'instant, un tweet de la préfecture de police, quai de Bercy à Paris, les forces de l'ordre ont rapidement mis fin à un rassemblement festif improvisé et ont saisi le matériel de Sono. Alors, on va peut-être aller voir ça justement parce que ce matériel de Sono, il était encore en place il y a quelques instants maintenant. Alors, on va voir un peu, attendez, on va voir un peu ce qui se passe ici. Je ne sais pas quelle est la suite qui va être donnée aux événements, mais en tout cas ça a été assez étendu l'espace de 3-4 minutes. Vous pourrez voir ça en replay dans quelques instants. Donc là on a l'impression de voir les gens qui sont un peu de se disperser un peu partout autour ou d'être un peu en attente. Et moi ce que je vous propose c'est qu'on remonte, on va remonter, on va aller voir là-haut comment ça se passe. Alors a priori ça a été vraiment dispersé très 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 rapidement, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et bon, on va remonter dans le parc. Ils ont à peine eu le temps d'installer les sonos que la fête a été immédiatement dispersée ici. Et vous voyez les gens qui se retrouvent un peu partout de l'endroit où on est en train de discuter actuellement. Là, on va remonter. Hop. On va remonter vers l'endroit où c'était en train de se faire. Bonsoir. Je suis journaliste en fait, je vais rejoindre mon collègue là-bas. Je peux monter ma carte. Bonsoir. Tu veux... Oui. Pour Brut. Ok. J'en ai pas sur moi là. Bah là j'en ai pas sur moi là. Bah là ça va en fait. Vous n'allez pas pouvoir être identifiable. Bah j'étais là il y a 5 minutes en fait, c'est pour... Bah justement c'est ce que j'aimerais... Rémi Buzine, journaliste pour Brut, je suis en direct en plus donc faut que je puisse faire mon travail en fait, c'est juste ça que je vous demande. Bah pour l'instant faut attendre parce qu'il y a des individus, après vous pouvez être confondu là, comme vous n'avez pas de brassard presse. Bah je peux mettre un casque... Vous n'avez pas de casque, vous avez rien. Bah je peux en mettre un s'il faut. Mettez un brassard presse. Bah là j'ai pas de brassard presse. Hop. Je vais mettre ça. Hop. Et je vais même. Attends, il y a une intervention de police. Hop. Ah, c'est ça que justement on va pouvoir filmer justement. Bah, vous pouvez filmer d'ici. Bah, ouais, pas vraiment. C'est pour votre intégrité physique. Et... Ouais, mais là j'ai mon casque presse, là je suis identifiable. Mais mettez-le. Bah. C'est un peu compliqué là, j'ai qu'une main pour c'est ça. Comme un casque de moto, il t'entend, là. Ouais, mais j'ai. Bon, attends. Hop. Bah, je vais pas réussir à le mettre. Ouais, mais bon, je suis en direct, c'est pour ça, moi. Bah ouais, c'est pour ça. Enfin, moi, je plâche par de. C'est ça. Merci. Ouais, bah. Hop, bon, un peu compliqué. Là, ils sont en train d'interpeller des gens actuellement. Voilà, il a fallu, en fait, avec une carte de presse, on peut passer hein, en tant que journaliste. Mais c'est pas forcément évident. Voilà. Oh. C'était pas facile. Bon, ça y est, on va pouvoir avancer. J'ai pu mettre mon casque presse. J'ai pas de brassard dans mon sac, j'avais mon casque de manif,
pas forcément le plus adapté pour ce qui est en train de se passer actuellement, mais bon. Donc là, ils sont en train d'interpeller des gens. Il y a des interpellations en cours. Donc là, il y a eu deux personnes interpellées. On va essayer de remonter un peu, vous montrer un peu plus loin comment ça se passe. On est donc ici actuellement au niveau des jardins de Bercy. C'est ici que se trouvait actuellement la tentative d'un événement festif. Et les forces de l'ordre sont intervenues très 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 rapidement pour mettre fin à cet événement. Alors, il y a une charge policière, il y a des... Il y a des personnes qui ont reçu des coups de matraque, des coups de pied, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont jeté des projectiles. Il y a eu à un moment donné une pluie de bouteilles de verre. Et là, il y a des renforts qui sont arrivés. Les jeunes sont dispersés un petit peu partout. Et là, on va arriver exactement à l'endroit où la sono va probablement être saisie. Hein. Ils n'ont pas eu le temps de repartir avec. Les policiers sont arrivés extrêmement vite et les gens ont pas eu l'occasion de pouvoir l'évacuer au moment où les forces de l'ordre sont arrivées. C'est allé extrêmement vite. Et vous voyez le signe des tensions au sol, les projectiles, les embouts de gaz lacrymogène. Et en fait, vous allez voir juste ici, je vais vous montrer à l'image, donc le matériel qui va être saisi, hein, c'est ce qui a été annoncé par la préfecture de police il y a quelques minutes maintenant. Ce matériel assez sommaire, mais qui était présent donc aux alentours de 19h pour cette rave party improvisée qui devait se dérouler à l'intérieur des jardins de Bercy. 300 personnes, environ 300 à 400 personnes étaient présentes sur place et les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement. Au bout de 15-20 minutes, une intervention policière, des charges, des jets de projectiles de l'autre côté, des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés pour disperser cette foule, ainsi que plusieurs tirs de LBD. Alors on est donc actuellement dans ce parc et vous pouvez voir donc actuellement les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir. Plusieurs interpellations. Alors, des interpellations en cours, au moins 3 interpellations. Je recule.
Allez, rapidement, deux gars. Voilà, des interpellations en cours, hein, toujours hein, à peu près 4 interpellations qui ont eu lieu il y a quelques instants. Comme les clopes par part. Donc là, voilà, les interpellations qui sont en cours. Hein. On rappelle donc aux alentours de 19h, environ 200 à 300 personnes qui sont venues ici, ont tenté d'organiser une rave party. Il y avait des enceintes qui ont été positionnées, la musique était allumée et les forces de l'ordre sont intervenues extrêmement rapidement à l'aide des chiens de la police, à l'aide de gaz lacrymogène aussi. Il y a eu des coups de matraque également à l'encontre des personnes qui étaient là, quelques coups de pied aussi auxquels j'étais témoin. Et de l'autre côté, il y a eu énormément de projectiles, de bouteilles en verre, de canettes qui ont été jetées en destination des forces de l'ordre ici. Alors vous voyez le matériel. Le matériel hein, qui va être saisi, c'est ce que la préfecture de police a annoncé hein, il y a quelques minutes. Donc ça s'est déroulé ici, donc à l'intérieur hein, des jardins de Bercy. Vous reconnaissez peut-être le ministère en arrière-plan. Et ce sont là où se sont déroulés les événements qui ont commencé il y a à peu près 40 minutes maintenant. Il y a eu 15-20 minutes. Voilà. Oula, il a pas l'air. Il en a carrément la tête presque à l'envers là. Donc ça a été assez tendu hein, il y a 20-25 minutes maintenant ici dans les jardins de Bercy. Il semble que la situation est en train de se terminer. Vous voyez les forces de l'ordre qui sont très très nombreuses maintenant. Plusieurs interpellations qui ont eu lieu, des tirs de LBD, des gaz lacrymogènes utilisés. Et donc une fête qui n'aura duré en tout et pour tout qu'une vingtaine de minutes, avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Elles étaient presque en sous-effectif à ce moment-là, mais il y a eu beaucoup de gaz lacrymogène utilisés, des tirs de LBD, et ils ont repoussé les gens qui sont maintenant de l'autre côté, mais qui semblent se disperser dans le calme, hein, c'est ce qu'on était en train de voir, hein, le groupe de 200-300 personnes était en train de se disperser il y a quelques minutes maintenant, de l'autre côté de l'endroit où on se trouve. On est à côté de l'Accor Hotel Arena, on est à côté de Bercy, pour ceux qui arrivent à se situer dans Paris, à côté de la Cinémathèque, dans 12e, 13e arrondissement de Paris, et il semble que l'intervention est en train de se terminer ici. Donc c'est un live assez rapide, mais aussi rapide que ce qui s'est déroulé ici à l'intérieur de ce parc à Bercy, où cette rave party désirée par plusieurs centaines de personnes n'aura finalement pas eu lieu comme espéré par les gens ici. Voilà. Alors vous m'excuserez, tout à l'heure le live a coupé prématurément, malheureusement pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté. L'application Facebook s'était fermée, voilà, et donc le live s'était coupé. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas, vous avez mon compte qui est authentifié dans ce live, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos critiques, vos commentaires, vos idées de direct. Je suis toujours présent avec vous pour écouter tous vos retours. On construit ce journalisme ensemble, au plus proche du terrain, au plus proche des événements. On est réactif quand il se passe quelque chose, comme c'est le cas pendant la manif, comme c'est le cas maintenant. N'hésitez pas vraiment à réagir quand il y a des choses importantes que vous voulez nous dire. Et puis, pour ceux qui souhaitent me suivre, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Rémi Buzine, le compte est authentifié. Facebook, Instagram, Twitter, c'est facile de me retrouver. N'hésitez pas également à me suivre là-bas. J'essaie de mettre parfois quelques petites stories complémentaires de ce qui se passe dans le live. Et puis, vos messages aussi, hein, vos critiques, vos retours, vos idées sont super importantes. C'est en train de se terminer ici tout doucement. Et on va
voir un peu. Nous avons encore quelques dizaines de jeunes hein, qui sont dispersés un petit peu partout. Au moment où on se parle, vous avez pu le voir avec nous en direct hein, sur Brut tout à l'heure, c'est ce rassemblement qui a été dispersé extrêmement rapidement ici. Hein. Vraiment, ça a été très rapide. Oui, Marc, vous avez raison. En effet, on est côté 12e arrondissement. Là, on est côté 12e arrondissement. On est à la frontière avec le 13e, qui est de l'autre côté de la Seine, je crois. Et pour ceux qui s'y situent, donc on est dans les jardins de Bercy, hein, qui sont. C'est pas le parc le plus sympa de la capitale, mais c'est un lieu où pas mal de gens se rassemblent. On va suivre jusqu'à là-bas, voir un peu comment ça se passe. Je vous remercie en tout cas d'être avec nous. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct. On va voir un peu. Alors on va aller. De l'autre, on va avancer. Merci Catherine. Alors on est sur une organisation beaucoup plus light, beaucoup plus légère que celle qu'on a pu voir à Luron, où il y avait des dizaines de camions, où il y avait une organisation très très importante. Là on est plus sur un événement parisien, on va dire clairement, qui est aussi dans l'idée de promouvoir la fête, dans l'idée de promouvoir aussi le retour à la vie ensemble. Hein. C'est les revendications des jeunes qui, vous l'avez compris, pour certaines raisons, ne souhaitent pas témoigner face caméra. Mais j'ai pu discuter avant de lancer ce live avec certains d'entre eux qui nous disaient oui, ça se passe après 19h, c'est pas un hasard. On en a marre du couvre-feu, on veut profiter de la vie, on veut pouvoir faire la fête. On est en extérieur, il y a moins de risque de contamination, c'est ce que certains me disaient aussi en substance. De vouloir profiter d'être en extérieur, de se retrouver ensemble entre jeunes. Et ils connaissaient les risques, hein, quand je parlais avec eux, les policiers étaient déjà en train d'arriver et beaucoup, en voyant les policiers arriver, n'ont pas forcément bougé pour autant, ils sont restés vraiment au même endroit. Mais ça a été très rapide. Hein. Là, je marche à l'endroit où il y avait encore quelques dizaines de jeunes pour conclure ce live, et pour vraiment vous montrer que la situation a été très rapide. Dans les jardins de Bercy, ici, où une sorte de rêve partie organisée sous une forme la plus minimaliste possible, hein, parce que une rêve partie en elle-même. Alors, sur le terme, certains ne sont pas d'accord, certains diront une free party, parce que vous dire que la rêve partie elle est payante et que la free party elle est gratuite, ce qui était le cas aujourd'hui, il n'y a pas eu de fonds collectés par les organisateurs ici. On est sur quelque chose de plein air, d'un événement qui a circulé ces dernières heures et ces derniers jours de bouche à oreille. Et donc là, vous voyez, on va faire un point, mais pouvoir vous montrer. Clairement, alors vous voyez, il y a encore quelques dizaines de personnes qui sont regroupées en bas et un petit peu partout. Mais la grande majorité des gens qui se trouvaient ici se sont dispersés de même progressivement ces dernières minutes au sein même du parc de Bercy. Et vous avez raison de le dire, dans le 12e arrondissement à la frontière avec le 13e. Le 13e arrondissement, c'est de l'autre côté. Rémi, penses-tu qu'ils vont de nouveau se réunir dans un autre lieu? Alors, j'ai pas d'informations là-dessus. Alors, Nicolas, je vais répondre à votre question très franchement, parce que les accusations faciles comme ça, c'est très facile.
Au moment où mon live est lancé, les forces de l'ordre étaient déjà en intervention depuis quelques minutes maintenant et ça avait déjà commencé depuis un petit moment. Voilà. Donc je suis même arrivé pour vous dire avant les forces de l'ordre, après les policiers qui étaient en train de s'installer, en train de sortir de leur véhicule, qui étaient en train d'avancer dans le parc. Et c'est pour ça que j'ai pris le live même en cours de situation. C'est-à-dire que très franchement, le début de la situation, je ne l'ai pas sur le live. Très franchement, voilà, parce que ça a été très 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 rapide. Les gens ont à peine eu le temps de s'installer, que les policiers étaient déjà là. Ils étaient même en sous-effectif, ils sont intervenus avec peu de monde, mais ils sont intervenus très rapidement. Il y avait environ 300 jeunes qui étaient présents. Mais au moment où je lance le direct, il y avait déjà les policiers, les forces de l'ordre qui étaient en train d'intervenir. Vous pourrez le voir sur ces images. Merci Thérèse, bonne soirée à vous et merci d'avoir suivi ce direct. Alors là, c'est vrai qu'on a une situation de statu quo qui est vraiment très particulière parce que, y a des jeunes qui sont encore là. Alors il en reste plus beaucoup honnêtement par rapport au nombre de personnes qu'il y avait tout à l'heure. Comment avez-vous été mis au courant ? Quand on est journaliste, on a des sources, et moi je suis un journaliste de terrain, et je couvre beaucoup d'événements, et je suis souvent au courant de ce qui se passe. S'il y a 300 à 400 personnes qui ont été au courant, c'est qu'il y en a un peu plus qui peuvent aussi l'être. Et voilà, on peut aussi avoir les informations, on peut aussi savoir ce qui se passe, tout simplement. Vous savez, en tant que journaliste, c'est un travail de terrain, c'est un travail de confiance aussi. On a tous des sources qu'on protège, parce que c'est ce que demande notre métier et c'est la déontologie du métier. On sait ce qui se passe et on est présent sur le terrain. On est parfois au courant d'actions de militants écolos, on est parfois au courant d'actions d'autres militants, d'actions qui sont des actions non violentes, mais qui sont des actions qui peuvent parfois être contraires à la loi, qui peuvent parfois être contraires aux règles qui sont imposées, comme celle actuellement avec le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements. Donc c'est ça qui est, c'est notre travail de journaliste et voilà, moi ça fait 6 ans que je suis sur le terrain, 6 ans que je suis là pour informer, pour montrer ce qui se passe. Et ces 6 ans là, vous rencontrez des gens, vous faites des contacts, vous montrez comment vous travaillez. Moi je vous dis les choses en toute transparence, Après il y a bien évidemment ce qu'on appelle le secret des sources qui est la chose la plus importante en tant que journaliste. Mais vraiment, si vous avez des questions sur le métier, moi je suis toujours là pour y répondre, parce que c'est vrai que des fois on peut avoir une certaine défiance envers les journalistes parce que vous vous demandez comment on est là, comment on sait ça, pourquoi, comment on travaille, pourquoi on choisit ce sujet-là et pas un autre. La construction de l'information, franchement avec grand plaisir d'échanger avec vous, parce que je sais que parfois il peut y avoir certaines idées reçues, vous avez des critiques aussi à nous faire qui sont justifiées. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir avoir vos retours, et parfois en échangeant on arrive à pas forcément être d'accord, mais au moins à faire comprendre un peu comment on travaille sur le terrain et pourquoi... comment un journaliste travaille, et au-delà de certaines idées reçues qu'on peut parfois se faire, tout simplement. Merci Chloé, c'est adorable, merci à vous. Merci Lucie, merci Carlos. C'était une rude journée, je vais pas vous cacher que j'ai une journée un peu compliquée là, parce que tout à l'heure il y avait un œuf. Je me suis trouvé un peu trop près des gendarmes et j'ai reçu un œuf en pleine tête. Et j'ai une petite bosse là qu'on s'est jeté très fort, ça fait un peu mal. Puis j'ai toutes les affaires un peu crades. Donc c'est un peu compliqué, mais je suis content de pouvoir rentrer bientôt à la maison. Globalement, Rémi, toi qui as couvert beaucoup de manifs, tu as pensé quoi de cette journée? Vraiment chaud ou pas vraiment? Chaud, pas vraiment. Il y a eu des tensions, mais on n'est pas sur des manifestations comme celles qu'on a pu connaître, même d'autres 1er mai. Oui, ça a chauffé, oui, il y a eu des tensions, mais on est loin, mais vraiment loin de certains rassemblements où ça a été vraiment chaud. Clairement, on n'est pas dans cette situation-là. L'incendie de Notre-Dame, ça remonte, ça fait 2 ans maintenant.
Mais par contre, il y avait du monde, hein. Il y avait une mobilisation, et c'est vrai que c'est la mobilisation, je pense, au plan social à Paris, où il y avait le plus de monde, clairement. Bah merci, le but c'est de rester factuel, on n'est pas là pour charger qui que ce soit, on est là pour raconter les faits. Voilà, les faits, rien que les faits, et je pense que c'est ça qui est important quand on est journaliste, le côté factuel, les faits du terrain, l'image, la contextualisation et la lutte contre les fausses informations, parce que des fois il peut y avoir des gens qui tentent de vous manipuler en vous donnant des informations qui sont pas vraies sur le terrain ou biaisées, et c'est hyper important qu'on soit là sur le terrain pour pouvoir vous contextualiser, et parce que c'est pas de votre faute quand vous tombez dedans, c'est parfois très bien fait, très bien dit. Ouais, après on va dormir un peu. Là je garde le live encore un petit peu là pour vous montrer un peu comment ça évolue, mais bon, là vous voyez les policiers qui sont en train de repartir. Alors vous avez certains que je reconnais qui étaient intervenus sur la place de la République quand il y avait l'évacuation du camp de migrants le 23 novembre dernier, où ça avait été relativement tendu d'ailleurs, vous en souvenez tous. Alors, ben vous voulez qu'on descende, on va descendre. J'essaie juste de faire un peu attention parce que on va voir si des gens veulent éventuellement réagir ou pas. Je sais que c'est pas forcément évident, hein, parce que quelque part ils sont aussi contrevenants à la loi. Par exemple, je peux vous montrer quelque chose, ça s'appelle la fabrique de l'information, la protection des sources aussi. Quelque part, je vous montre, voilà, ça c'est le message qui a été partagé en début d'après-midi. On peut vous le montrer maintenant parce que c'est terminé. Mais s'il y a eu 200 à 300 personnes, il a bien fallu qu'elles soient informées, qu'elles soient au courant. Nous, on est au courant en tant que journaliste parce qu'on est présent sur le terrain. Bah, eux, pour être présents, il faut que ça circule. Donc il y a des groupes, on ne va pas vous dire lesquels bien évidemment, mais il y a des endroits où ça circule et c'est le message qui a été véhiculé pour que les gens puissent venir avec une localisation très précise GPS au niveau du parc de Bercy. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça s'est passé également à Luron en début d'année. Et c'est comme ça que ça se passe aussi ailleurs. Donc à Luron, c'était la situation. Hein. En début d'année, vous avez 1100. Alors là, c'était même de beaucoup plus grande envergure. Vous avez 1500 personnes qui sont informées et qui savent à tel endroit comment ça arrive, et puis c'est des gens qui ont l'habitude de faire la fête ensemble. Alors voilà, on voit les camions de gendarmes mobiles qui sont ici. Il semblerait que les gendarmes soient en train de regagner leur véhicule. Alors, on va peut-être essayer d'aller à la rencontre de quelques jeunes, je sais pas, on va voir un peu comment ça se passe. Alors j'ai baissé un peu le téléphone pour des raisons que vous comprendrez, parce que les jeunes qui sont ici sont dans l'illégalité, donc on va les protéger aussi, et on va voir s'ils veulent témoigner ou non. Hop. Excusez-moi, bonsoir. Alors je filme au sol, hein. Je suis en direct sur Brut, je vous montre pas, hein, pour des raisons, voilà. Je suis sur Brut en direct. Il y a des gens qui demandent en fait des témoignages pour nous expliquer pourquoi vous avez voulu venir ici ce soir. C'est anonyme, hein, vraiment, je me mets à côté de vous. Enfin, pas avoir mon nom, mais... On peut parler comme ça, si vous voulez. Pourquoi vous avez voulu venir, vous? On est assez enfermé en ce moment avec les conditions, et que un peu de musique entre copains, c'était rien de mal, quoi. Enfin, ouais. Je trouve pas les mots pour... Voilà, excuse-moi, je suis un peu ouais, mauvais. Ouais, mais c'est très bien. Ça fait un an qu'on est enfermé. Ouais. En plus, on est tous masqués. Enfin, il n'y a pas de soucis, quoi, je veux dire. Là, vous regrettez comment ça s'est passé? C'est vrai que ça a été relativement violent, tendu. Bah nous, on est arrivé pile au moment où ils ont chargé. Et du coup, on vient du nord Pas-de-Calais. On aurait bien aimé pouvoir faire la fête un petit peu et se retrouver avant d'être gazé, quoi, et d'être matraqué. Important de dire, vous venez spécialement du nord Pas-de-Calais pour ça. Ouais. Vous venez de quelle ville?
Moi je viens d'Arras. Ok, Arras, on salue. C'est le supporter de Lens pour la même occasion. Ouais, exactement, il y a le match avec le PSG ce soir. Lens a perdu 2-1, Paris a gagné 2-1. Mais bon, on a suivi ça avec attention. Mais donc voilà, vous avez fait les 200 km, enfin 400 aller-retour pour venir pour ce soir. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bah, on a vraiment envie de faire la fête et du coup on cherche des gros stuff justement qui sont pas facilement délogeables en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est venu ici ce soir. Très bien, bah merci à vous. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent éventuellement témoigner. Non, c'est gentil à toi en tout cas, et bon courage. Bah merci à vous. Hein. De rien, attends. Je sais pas. Je peux peut-être te poser une question très rapidement. Vas-y, tu peux. Il y a des gens, voilà, les gens dans le live, je dis tout le temps que ceux qui nous regardent, ils ont la priorité sur le conducteur du live, sur ce qu'on fait en direct. Ils me disent, va voir les jeunes, va discuter avec eux, va demander pourquoi ils ont envie d'être là ce soir. Pourquoi toi t'as voulu venir ce soir? Déjà, je me sens pas concerné parce que j'ai 31 ans, je me sens pas si jeune que ça. On est jeune, j'ai 30 ans, on est très jeune. On est très très jeune à 30 ans. Simplement, après, je sais très bien les conditions actuelles. D'ailleurs, inconsciemment, avant de partir déjà de base, je m'en doutais. Et au final, pas grand chose quoi, juste je voulais profiter, faire de la musique, écouter de la musique et voilà quoi. Tout ouais. Simplement. Et toi tu viens, tu t'es pas forcément de dire ta ville hein, mais tu viens je suis dans le secteur de Hauts-de-France. Ah du nord aussi ouais. Ah donc t'as fait vraiment toute la route pour. Après je veux dire au final, au moins rien que passer toute la route, déjà au moins j'ai parlé tout le long de la route et ça me change de mon quotidien entre le travail et la maison et mon chien quoi. Donc déjà rien que ça pour moi c'est un peu plaisir, mais après ça a été à la base on savait très bien comment ça allait finir. Ouais. Mais bon voilà, on fait en sorte de. De bouger au moment prépice et puis voilà quoi, c'est tout. Merci pour votre témoignage en tout cas. Et du coup la suite de la soirée c'est quoi? C'est retour immédiat dans le nord? J'en sais rien du tout. Moi je suis. Va comme je te pousse. Si on pousse, j'y vais. Ouais. Ok, à suivre alors. Merci à vous. Peut-être profiter si on peut avoir peut-être d'autres témoignages. Excusez-moi, bonsoir. Je suis en direct sur Facebook, mais je ne vais pas vous montrer vos visages, c'est juste. En fait, voilà, je suis sur Facebook. Il y a des gens qui. Voilà, j'ai suivi tout ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Ils me demandent d'aller voir les gens pour avoir des témoignages. Demander pourquoi les jeunes ont voulu venir ce soir. C'est possible de vous poser la question très rapidement. On voit pas vos visages, je vous mets juste comme ça. Vous pouvez parler en même temps de cette façon. Vous, juste pourquoi vous avez voulu venir ce soir vous? Pour profiter en fait. Parce qu'avec le confinement, c'est pas facile de profiter. Et on en a un peu marre voilà. Là ça a été un peu tendu tout à l'heure, comment ça s'est passé pour vous? Ça va, ça a été ouais. Mais il y en a qui se sont pris des flashballs. Il y a eu des tirs de LBD. Il y en a un qui est blessé au ventre. Il y en a un qui s'est venu je crois aussi. Oui. On a vu tout à l'heure, il y a eu des tirs de LBD. Sans forcément dire la ville d'où vous venez précisément, mais vous venez de loin, vous? Du 7-7. Ah ok, c'est pas très loin. Non, ça va. C'est pas très loin. Je peux vous poser peut-être la même question à vous? Voilà. C'est quoi la question? La question, en fait, c'est tout simplement pourquoi vous avez voulu, entre guillemets, braver le couvre-feu et faire la fête ce soir, tout en sachant que c'est pas forcément autorisé. Et pourquoi vous avez voulu le faire? En quoi c'est important pour vous? Parce qu'on fait ce qu'on veut, on n'embête personne, là. Ouais. On dérange personne et je sais pas, j'avais envie. C'est pour profiter et tout aussi, on profite et tout. Vous dites justement, on est jeune aussi, c'est ça l'important, c'est de se dire que vie, malgré les interdictions, c'est dur à vivre maintenant et. Ça fait plus d'un an qu'on est comme ça. Ça fait un an qu'on est comme ça, nous on en a marre. On parle honnêtement, on est vraiment en anonyme. Mm-hmm. Vous, les mesures de couvre-feu, vous les respectez ou? De base, oui. Il y a juste aujourd'hui, on a fait une exception, Mathieu. Ouais, vous êtes dit pourquoi pas quoi. Oui, voilà. Puis c'est qu'une seule fois dans notre vie. Enfin, ça arrive pas tout le temps, ce genre de choses. Du coup, il y en a pas eu pendant longtemps là. Oui. Ça a été. Parce que là, en fait, ce qu'on appelle ça, c'est des rave parties, des free parties. Mm-hmm. C'est-à-dire, on vient, c'est gratuit, on profite de la musique ensemble. Et là, vous êtes dit, ça va durer toute la nuit? Oui. Vous pensiez de base. De base, on pensait, mais au final, pas trop, non. Ouais, ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir accepté de témoigner. Bonne soirée à vous, merci. Merci. On va essayer de voir si on peut avoir un petit dernier témoignage. Hop, j'ai peut-être en profiter. Hop. Excusez-moi de vous déranger. Alors, je filme au sol, je suis en direct sur Facebook. L'idée, c'est d'avoir des témoignages anonymes. Je me disais tout à l'heure, quand même, c'est bizarre que personne ne soit en fait en train de faire un petit peu de journalisme. C'est quoi la question? Oui. Ça m'étonnait. Oui, c'est important. Justement, le journalisme aujourd'hui, c'est de venir vers vous et de vous poser la question. On est en direct, je dis bien, mais c'est anonyme, je vais filmer comme ça et vous pourrez parler. Vous expliquer pourquoi vous, en tant que jeune, vous avez voulu venir ce soir. Je peux commencer comme ça, si vous voulez, tour à tour. Parce que ça fait au moins un an qu'on est enfermé et qu'on n'a pas fait la fête du tout. Et que voilà quoi, ça fait long. C'est compliqué, ouais. C'est très compliqué, oui. Je peux me permettre de vous demander votre âge? Oui, bien sûr, 20 ans. Et à 20 ans, justement, je me souviens, le président avait dit c'est dur d'avoir 20 ans en l'an 2020. Oui, c'est une année volée. Hein. On n'a rien fait, on n'est pas. C'est boulot, métro, boulot, dodo. Là, ça s'est passé comment pour vous? Raconter un peu la situation. On est arrivé et puis même pas 10 minutes après, les flics sont arrivés. Ouais, ça a été tendu, hein. Ouais.
on n'a pas eu le temps de profiter. Vous venez d'où, de pas forcément dire la ville exacte, mais vous venez d'où à peu près? Du 15e. Du 15e, ok. Ouais. Parce qu'on a vu des gens qui venaient des Hauts-de-France. Ah oui, mais oui. Ouais, ouais, y en a qui... Mais vu l'organisation, ouais. Parce que, sans trahir les secrets, hein, y a des choses je peux comprendre que vous gardez pour vous. Ouais. Mais donc, du coup, vous étiez au courant depuis longtemps, vous? Ouais, ça faisait une semaine. Depuis une semaine, vous étiez ouais, au courant? Ah ouais. Semaine, ouais. Ah ouais, ok. Et vous avez déjà participé à d'autres événements, comme, je sais, il y avait eu Lyon. On était aussi. Bah non, du coup. Ah, c'est la première, ouais, du coup, c'est ce la soir première, ouais. Ok, bon, l'essentiel, c'est que ça finisse bien physiquement. Ouais. Je me permets de poser la même question à votre ami. Vous venez de où? Enfin, pareil, on est du 15. Et pourquoi vouloir venir ce soir? En vrai de vrai, ça fait un grave moment qu'on n'est pas sorti, donc on voulait tenter l'occasion, on a eu le contact et tout, on est venu, et puis c'est dommage que ça finisse si tôt, mais en vrai, c'est juste que là, les restrictions commencent à s'assouplir, on a vu que sur le planning, vers juin, on pourrait ressortir et tout, donc du coup, bah, on prend les devants, et on commence à faire sentir un peu aux flics qu'on va pas se laisser faire et qu'on va faire des soirées, quoi. Vous dites on va pas se laisser faire, c'est aussi de la rébellion quelque part À un moment, la rébellion, elle arrive toujours quand tu forces des jeunes à pas vivre leur jeunesse. Tu peux t'attendre qu'à une rébellion, tu peux pas t'attendre et qu'ils restent tranquilles chez eux et qu'ils acceptent leur sort sagement. C'est un peu la suite logique des choses, hein, d'une certaine manière. Je trouvais des gens qui faisaient une année de perdu, c'est un peu ça, quoi. Tu sens une année de perdu dans ta jeunesse? Bah, d'une certaine manière, quand tu peux pas jouir totalement de ta jeunesse, tu sens toujours que t'es un peu biaisé. Quand des plus anciens te racontent des choses et que toi t'es obligé de rester chez toi et d'attendre et de tenter certaines choses et de te faire réprimer rapidement, c'est normal, quoi, c'est normal. On est là. Ouais. Logique. La jeunesse est très esseulée, elle a besoin d'une certaine ivresse pour une certaine communion, en fait. Voilà, elle se sent, elle est chez elle. Je pense que... Le point fondamental, c'est qu'il n'y a vraiment plus de projet, quoi. Et quelque chose de se détendre, de se libérer, enfin, on a une... Fumer un gros terre, ouais. Ouais, voilà. c'est le but des projets. Non, Et là, du coup, la soirée, c'est fini. On ne sait pas encore. Bah, en fait, on ne sait pas si le son a été pris. Nous, on est restés. Alors, le son a été, on peut le dire, hein, selon les informations qu'on a, on a vu les policiers saisir le matériel. On est resté 30 minutes, en fait, mais... parce qu'on est arrivé assez tard pour l'heure du confinement. On est arrivé à 19h30, on est resté que 30 minutes, mais... nous, on voit ce qui va se passer après. Voilà. À voir. Attends, à voir. À voir. On espère qu'ils remettent ça, quoi. C'est le mot. Ouais, vous espérez qu'ils remettent ça? Ouais. Ça vous a pas fait peur, là, l'intervention et bah, tout ça pas vous... du tout, non. Quand j'entends justement, c'est la question que je posais à votre ami, c'est est-ce qu'il y a le sentiment de l'année perdue? Est-ce qu'il y a le sentiment oui, de. C'est totalement ouais. ce sentiment-là. C'est ça C'est une année, on n'a rien fait, on n'a pas fait de fête, on n'a pas rencontré des gens, on connaît... Donc elle est arrivée à Paris il y a un an. Ouais, je suis arrivée à Paris il y a pile un an, je suis arrivée au moment des grèves. Et de quelle ville avant? De La Réunion. Ah ouais, donc ouais, c'est compliqué, j'imagine. Ouais. Voilà, on n'a pas l'habitude, quoi. C'est intéressant parce que c'était pour des études ou... Ouais, pour des études. Donc, en gros, on arrive à Paris pour des études. Ouais. Normalement, on connaît vite des gens, il y a des soirées d'intégration, il y a plein de trucs, et là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Comment, en un an, tu vis un peu tout ça? Parce que là, c'est... C'est typiquement le genre de choses qui me touche un peu parce que je sais exactement ce que c'est de se retrouver un peu isolé comme ça. Bah, on le vit très mal, surtout qu'on a été en visio longtemps et que du coup on rencontre encore plein de gens. On va en classe qu'une fois par semaine, etc. Et même au travail, on rencontre pas de gens. Du coup, c'est très vite compliqué. Enfin, ça rend triste un peu. Ça rend triste un peu, vraiment, clairement. Surtout que quand on vient à Paris, on vient rencontrer des gens, on vient rencontrer de la culture, etc. C'est un peu compliqué. Bah, merci à tous les trois, en tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner. Bonne soirée et puis bon courage pour la suite, vraiment. Pour Brut, BRUT, voilà. Et tu peux retrouver sur Instagram aussi, Brut, voilà. Merci à vous, bonne soirée, merci. Hein. Voilà, donc des témoignages que j'ai voulu préserver de façon anonyme, pour des raisons que vous comprenez, parce que les personnes qui ont participé à ce rassemblement ont des risques aussi d'un point de vue personnel, s'ils travaillent, des risques d'amende, alors c'est moins probable, mais ça peut arriver. En général, c'est plutôt les organisateurs qui sont traqués que les participants, hein, par expérience des quelques événements que j'ai pu couvrir ces derniers temps. Mais je voulais avoir des témoignages, parce que vous m'avez demandé... d'avoir des témoignages, vous m'avez demandé justement que des gens témoignent, on l'a fait de façon anonyme parce que pour des raisons évidentes que vous comprenez. Donc ces jeunes en moyenne d'âge d'à peu près une vingtaine d'années qui sont présents ici, qui étaient au courant pour certains depuis une semaine de cet événement et qui ne regrettent absolument pas d'être venus ce soir. Ils disent on n'a qu'une vie, on a perdu un an de notre vie quelque part et on veut faire la fête et on refera la fête. On attend même de voir s'il y a quelque chose d'autre qui se prépare ce soir. Certains sont venus de loin, hein. Certains sont venus même des Hauts-de-France
pour participer à cet événement qui a rassemblé environ 200 à 300 personnes et qui n'a duré qu'environ 15-20 minutes après une intervention policière très rapide, donc aux alentours de 19h20. Ça a été particulièrement tendu de part et d'autre, avec une charge policière, avec des jets de projectiles aussi sur les forces de l'ordre qui étaient présentes ici, des gaz lacrymogènes et des tirs LBD de l'autre côté. Et ça a été une scène qui a duré comme ça pendant une quinzaine de minutes ici. Retour au calme, hein, ça a été très rapide. Vous pourrez voir dans le replay de ce live tout de suite, parce que je vais couper le live. Je vais filmer le sol tout simplement parce que les témoignages étaient anonymes et je voulais garantir l'anonymat des gens qui n'auraient pas accepté, je pense, de parler si je les filmais directement. Et donc, ils ont donné leur témoignage. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Vos retours, vos feedbacks, vous avez mon compte Facebook qui est Authentic Finance Live. Vos retours, vos critiques, vos idées de sujets, les personnes qu'on pourrait interviewer. Et puis également sur Instagram, pour ceux qui veulent me suivre, vous pouvez me retrouver là-bas. J'essaie de poster quelques photos, quelques stories en complément des lives. Donc n'hésitez pas à me retrouver et on échange ensemble. Vos retours, vos feedbacks sont toujours extrêmement précieux pour construire ce journalisme qui est toujours en lien avec vous, au plus proche du terrain. Et c'est ce qui m'importe le plus. Et je voulais vous remercier d'avoir en tout cas été aussi nombreux à suivre le live de la manifestation, aussi nombreux à suivre ce live, et vous dire qu'on se retrouve bien évidemment à tout moment sur Brut dès qu'il y a des événements en direct. Très bonne soirée à vous, prenez soin de vous, vraiment, je le dirai jamais assez, et j'aurai plaisir, je l'espère, à vous retrouver très très vite sur Brut. C'était un grand plaisir d'être avec vous en ce samedi, de partager toute cet après-midi ensemble et ce début de soirée. Et vous savez, voilà, je suis toujours présent sur le terrain pour vous informer. Je sais que certaines personnes se posaient la question parce qu'il y avait un petit peu moins de live ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins d'actu, il se passe un peu moins de choses sur le terrain. Mais quand il y a quelque chose, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous, toute la rédaction de Brut, on est présent sur le terrain pour vous informer avec des lives, avec des sujets, des reportages. On a eu le lancement aussi de Brutix il n'y a pas longtemps, la plateforme de VOD pardon, avec des documentaires, des séries, des films. J'en profite d'ailleurs pour saluer les collègues Camille Courcy, Charles Villa, Yamour Genghis, qui vous ont proposé de superbes docs que vous pouvez retrouver sur la nouvelle plateforme Brutix. Vous tapez ça sur Google et vous avez un code promo que je vous donne, Rémy B, REMYB. Pour lequel vous pouvez avoir un mois gratuit d'abonnement pour la nouvelle plateforme. Je vous invite à voir, il y a vraiment des super docs pour ceux qui nous suivent sur Brut et qui aiment bien ce qu'on fait. Il y a du taf en plus avec des docs long format et on a besoin de votre force et de votre soutien pour ça. Et puis aussi, je pense que vous allez vous régaler en regardant tout ça. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, prenez soin de vous. Et puis s'il y a d'autres événements, on reprendra le direct, mais a priori, vous avez pu comprendre, c'est terminé ici. Très bonne soirée et à bientôt. Ciao.